Et bonjour à tous, c'est Julien Eric pour une nouvelle vidéo sur le jeu Plague Inc. Et aujourd'hui, on va faire le virus Necrom, mais cette fois-ci en mode normal. Donc cette fois-ci, on va commencer à faire boost ATP. On va faire quoi, créationniste. Pourquoi créationniste, pas darwiniste là? On se parache, je prends celui-ci. Ensuite. Aérocyte, xérophile, et ici on va mettre thermonécro. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer en normal. Bon, nécro R, c'est plutôt nécro N. Ouais, je me suis trompé en fait. Si je vais pas mettre J, je vais mettre R. Mais bon. Donc cette fois-ci, on va commencer dans un pays le même que la dernière fois, l'Égypte. Cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi. Donc on va commencer directement salive 1 et après on va faire chaud 1, résistance chaud 1. Il faudrait que ça arrive vite. Voilà, donc maintenant on doit attendre, malheureusement, encore une fois. Le salaire du personnel hospitalier augmente. Partie d'extrême droite directory en Europe, ça c'est pas étonnant, hein. Failli en Autriche. Découverte majeure de pétrole en Afrique, ok. Il commence à se propager, mais là maintenant je dois attendre beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, gisait, exploration de la tombe secrète poursuivie. Les archéologues marquent le 60e jour de la découverte d'une tombe secrète dans la pyramide de Gizeh et prévoient de fouiller plus profondément dans celle-ci. On doit encore attendre, normalement. Garde frontière. Ok. Bon, je crois qu'il faut, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, je regarde sur les solutions. Points ADN, déjà c'est très bien. Donc attendez, on va regarder les informations. Non, pas encore, non. Bon. On reprend. Oui, la Grèce pourrait sortir de la zone euro, plutôt là c'est en limite la petite Union européenne. Alors, Giza. Bayou. Des milices infectées. C'est bon, je pourrais lire qu'est-ce qu'ils nous disent. Ok, je dois encore attendre un autre message. Qui devrait arriver normalement, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc on attend. Un dictateur exige une éclipse anniversaire. Donc là ça commence encore une fois à se répandre, bah. En Moyen-Orient, hein, et en Égypte, là, toujours en zone désertique d'ailleurs. Voilà. Hiéroglyphe de Gizeh, une épidémie antique. Maintenant, on doit encore attendre un message. C'est très long, comme d'habitude. Vous l'avez déjà dû le vivre pour. Ce fameux scénario sur l'Ukraine. Bon, toujours pas.
Oui, des soins freinent l'infection, je sais, mais ça, en fait, c'est pas important au moment. Une nouvelle maladie begin se propage. Bah, j'aimerais bien que le message que j'attends, il apparaisse là. Bah, super, il cherche un remède, mais j'ai toujours pas ce qu'il faut. Sinon, si le remède commence trop rapidement, je vais devoir commencer. Et tant pis, malheureusement, pour ce scénario. Là, je suis en 15 FPS, quand même. Je ne comprends pas. Mais ils sont inquiets. Nouvelle norme pour les pays riches. Je vais pas attendre indéfiniment là, parce que là on est déjà en octobre 2017, les amis. Voilà, c'est bon. Gisait une momie porte des marques de morsure. Maintenant on va pouvoir faire ce que je voulais. Bon, déjà on va faire ça déjà. Sinon, au niveau des symptômes cette fois-ci, insomnie, fièvre, photophobie, délire, réanimation cytopathique, puis là on va faire la suite quand même, résurrection anaérobique, contrôle moteur amélioré, voilà, on va faire tout ça en même temps, et bim, action régénérative pour le moment. Allez, commencez à réanimer les morts, donc il n'y a pas encore de morts. On attend. Ah ouais, ça commence à arriver. Là je lag maintenant. À cause de ça. Quoi? Une femme survit à un grave accident industriel. Une infirmière mordue par une personne âgée. Oui, sur la liste de surveillance, mais trop tard, désolé. On va commencer à réanimer. On va réanimer où? Vas-y. En Égypte. Maintenant on va les faire déplacer. Et ils vont moins se décomposer. Donc la transmission, on en a plus trop besoin en fait. Plutôt se concentrer sur les symptômes. Plus de sévérité, les amis. Oh, Norvège ferme ses frontières. Islande aussi, mais c'est pas grave. Quoi, projet Z-com déjà? Attendez, on va les faire déplacer. Combien? Il n'y en a que 4 là-bas. Bon, Égypte, vous allez aller monter au Balkan. Et vous allez faire vite là. Quoi que 5. Il faut en faire plus là, attendez. Voilà, on va prendre celui-ci plutôt. Cette fois-ci, on va les déplacer. Allez, allez au balcon vous. On s'en fout du remède, oh là là. Quoi, l'Égypte est déjà morte, ok. L'Égypte déjà détruite. Oh oh, j'ai raté. Je vais monter encore plus vite là. Attendez, ils vont dans quelle direction? Ils vont en direction du Kazakhstan. Alors il y en a combien? Inde, 8 millions. Allez bim, vous allez aller monter en Chine. Ok, parti en Corée. Et souffrant. Comme un balcon, que 2000. Dans les Libyes, il y en a pas mal. Allez, déplacer en Algérie, puis après on va en faire monter certains. Un peu plus au nord de l'Égypte, toujours, de l'Égypte. Cette fois-ci, on va les faire monter vers l'Italie. Ça va être difficile là. Maintenant, faut monter plus rapidement des points ADN. Mais je sais pas trop comment on va faire. Ok, Inde, allez, vous allez tous aller là-bas. On va toujours pas monter. Ouais, il faut 16 points. Et c'est trop là.
Là, je pense avoir perdu. Canada infecté, ça c'est bien. Donc les Balkans, allez, on va le faire monter Europe centrale. Oui, mais c'est pas grave. Cette fois-ci, Chine, allez en Corée. Là, j'ai plein de points, donc on va pouvoir les améliorer en combat. Donc c'est ceci là, le truc du combat. Avantage au combat, les amis. Attendez, attendez, je vais prendre tous les points. 1958, personne sur une partie en Corée. Oh, il meurt pour précision. Oh, c'est bien, États-Unis. Oui, voilà, Nécroix proviendrait de la pyramide de Gizeh. Et oui, elle aurait pu s'échapper d'une once d'onde secrète. Et oui, ils l'ont réveillé, ils auraient pas dû faire ça. Attendez. Espagne, vous allez monter en France. Et réanimation au Royaume-Uni. Comme ça, puis être comme là-bas. Ensuite, Inde, vers Chine toujours. Hein. Oh là là, ils se renforcent en pays islandais, c'est pas bon ça. Attendez. Turquie, vous allez monter en Russie. Oui, détruire le Royaume-Uni, ça c'est bien. Bon, États-Unis, on va vous faire descendre un peu. De toute façon, on sait jamais, il y a peut-être des pays possibles à toucher. Un million de zombies en Chine. Cette fois-ci, on va les faire déplacer en masse vers la Corée. Sinon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je crois en Russie, je crois qu'il n'y a pas le coup. Donc on va devoir faire ceci. Résistance froid. Donc là, on va faire ceci. Maintenant des centaines de milliers. Nouveau déplacement depuis... Vas-y, Royaume-Uni, on va les faire monter cette fois-ci en Islande. L'ADN de Nécroix confirme le lien avec Gizeh. L'expédition scientifique se prépare à fouiller la tombe. Allez, ils vont partir de Chine. Tout ça arrivé en Corée. Tiens, Kazakhstan, j'ai oublié de le toucher. J'ai oublié de le faire concerner. Donc, Asie centrale, Aïbim, chez eux. Et Turquie, on va les faire monter encore une fois, toujours en Russie. Donc là, ouais, ils ont du mal à tenir le coup quand même là-bas, en Kazakhstan. Donc Corée, il y a quand même pas mal de morts, donc on va le faire réanimer. Islande touchée. L'expédition à la pyramide de Gizeh est un succès. Ils trouvent des hiéroglyphes racontant la défaite d'Osiris face à Seth. L'équipe espère qu'ils pourront aider à se défendre contre l'Islande. Mais trop tard, trop tard. Gizeh, les trouvailles aident contre les zombies. La nouvelle fait le tour du monde. Oh non. Ok. Nous allons faire ceci donc. Nous allons faire de multiples améliorations. Donc... Chine vers Kazakhstan. Attendez, on va réanimer aux États-Unis. On va déplacer des États-Unis vers le Canada. Ensuite, ici, la Russie, déplacement vers la Finlande. Islande, ouais, ils sont tous morts, super. Donc, Royaume-Uni, déplacement vers l'Islande. Avec réanimation ou... vas-y, Asie centrale. On va déplacer... Asie centrale vers Kazakhstan, ouais, c'est vraiment de la stratégie là. Évidemment, il y a Z-Com qui s'est installé là vers en Nouvelle-Guinée, mais ça je sais pas trop comment je vais faire. Bah ils tiennent pas le coup là-bas en fait, c'est ça le problème. Donc là, il faudrait que je puisse faire des déplacements
Ok, les piles, il y a plus de zombies. Ça arrive des chaudons. Oh là là. Je crois que j'ai perdu. Le nombre de zombies disparaissent. Donc maintenant, comment faire? Comment faire? Comment faire pour gagner des points ADN cette fois-ci? C'est des pays qui sont restés intacts là. Bon, maintenant je mise sur l'Allemagne. Hein. Allez l'Allemagne. Ouf. C'est bien en Allemagne ça monte. Juste à côté en plus il y a la Pologne. Oui, affecté là-bas. Maintenant, réanimation. Chine. Oh, il meurt trop vite là. J'ai pas assez de points. Bon bah on va faire partir d'Allemagne. Allez bim, envahissez la Pologne. Waouh. J'ai du mal là. J'ai officiellement perdu. Vous allez monter en Baltique, vous. Comme ça, vous serez pas concerné par la Z-com. Là, je sais pas trop comment on va faire pour gagner. Un zombie pourrissant ses choux sur une plage. Bim. Bah, il est mort. Tiens, dommage. Il n'en reste que 22 000. Bon, comment on va faire? Je réfléchis. Toujours Chine, allez. Quoi? D'accord. Mais non, ils sont installés dans ce pays. Waouh. C'est la violence là. Oui, des nouveaux symptômes, je sais pas quoi ils servent. Voilà, j'ai perdu. Allez, game over. C'est pas grave, je m'arrête à là. Baltique, mais attendez, je vous ai ramené en Baltique là. Mais non. Et il s'installe partout là, attendez, j'ai pas le temps là. Comment elle a fait la Z-com? Non, c'est terminé. Attendez, il reste combien de vivants là? Oh, il reste moins d'un milliard de vivants. Terminé.
Défaite, les humains ont combattu, les zombies ont triomphé. Necro n'est plus une menace. Non, j'ai perdu. Bon, on va arrêter avec ce scénario. On va reprendre une prochaine fois, cette fois-ci, sans scénario, en normal. Et cette fois-ci, on va gagner, ok? Donc voilà, j'espère quand même que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Sinon, mettez un pouce rouge, commentez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine.